Euh, Aujourd'hui il s'agira d'une séance de poésie, analyse. Le poème c'est Le poème et le poète, je rassemblais des lettres d'Alfred de Musset. L'objectif c'est faire une analyse métrique et thématique d'un poème en vers régulier. Donc le premier sous-genre... Euh, Qu'on va faire, c'est le poème en vers régulier, puis on aura la chance de faire le poème en vers libre et le poème en prose. Il y a trois sous-genres dans la poésie. Voici le poème, je vais lire. Je rassemblais des lettres, je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout ce passé me criait à l'oreille, ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici bas ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oubli. De tous côtés, j'y retournais la sonde. Je pleurais seul, loin des yeux du monde, mon pauvre amour en Alfred de Musset, tiré du recueil Les nuits, édition Gallimard. La première chose euh, qu'il faut signaler, c'est que la poésie en vers régulier, c'est une poésie où on aura des régularités. Exemple de la rime, aussi, exemple de, du maître. Donc nous avons ce qu'on appelle le mètre, c'est-à-dire c'est le nombre de syllabes qui composent chaque vers. Et puis chaque deux vers ou chaque paire de vers qui contient la même rime dans la poésie en vers régulier doit contenir le même mètre. Le mètre c'est le nombre de syllabes qui composent le vers. Et aussi, avant d'aborder les types de vers qui existent en français ou bien les noms des vers qu'on a en français. Il faut aussi signaler qu'il y a une différence entre le vers et la phrase. Dans la poésie, le vers commence par une majuscule et finit par un retour à la ligne, alors que la phrase commence par la majuscule et finit par un point. C'est-à-dire qu'on peut trouver une phrase divisée en deux, comme ici dans les deux premiers vers. Je répète, on ne dit pas qu'ici nous avons une phrase, mais un fragment de phrase seulement. La phrase commence par la majuscule jeu et finit par le point. Donc nous avons toujours rassemblé des lettres de la veille des cheveux des débris d'amour. Jusque-là, la phrase est finie. Juste pour dire que, attention, il ne faut pas confondre le vers et la phrase. Il y a une différence. Bon, <coughs> maintenant, quels sont les vers qu'on a en français Et puis avant les vers, comment appelle-t-on un paragraphe dans la poésie Le paragraphe dans la poésie s'appelle une. Et une strophe et les noms des strophes sont prépondérants au nombre de vers qui la composent. Exemple ici vous avez premier, deuxième, troisième, quatrième vers, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième vers. Nous avons un nevent. Donc le nombre est un paire. Par rapport à la rime on aura un vers intermédiaire c'est celui-ci. C'est pas qu'on va pas le compter mais bon pour les dispositions des rimes on va compter euh, deux paires de rimes pour dire d'elles qu'elles sont disposées d'une manière ou d'une autre, et ces dispositions, vont les découvrir dans un instant. Je répète, le vers a un mètre, qui veut dire le nombre de syllabes ou d'émissions de voix qu'il compose. Et puis, la strophe a un nom, et ce nom est en relation avec le nombre de strophe, de, de vers qui la composent. Voici pour les vers qui existent en français, ou les mètres qui existent en français. Un verre d'une seule syllabe, on l'appelle monostiche ou bien monomètre. Deux syllabes, dix syllabes. Trisyllabes, c'est pour trois. Quadrisyllabes, quatre. Pentasyllabes ou pentamètre, c'est pour cinq. Hexasyllabes, c'est pour six. heptasyllabe c'est sept. Octosyllabes, c'est huit. Eniasyllabes, c'est neuf. Dicasyllabes, c'est dix dicasyllabe, c'est pour un syllabe, et puis l'alexandrin c'est pour douze syllabes. Mais les maîtres les plus utilisés dans la poésie française en vers régulier sont les octosyllabes, c'est-à-dire huit, les dicasyllabes dix, 10, et les alexandrins. Là, c'est pour les maîtres des vers. Pour les strophes, nous avons une strophe composée de deux vers s'appelle distique, un distique, puis un tercé pour trois vers, quatre ans pour quatre vers. 5 quintiles, 6 vers c'est 6 ans, 7 7 ans, 8 1 pour 8, 10 ans pour 10, 11 ans pour 11, 12 ans pour 12, etc. Bon, voilà donc les noms qu'on donne aux strophes. Exemple ici, nous avons un 9 ans. Un 9 ans. Un 9 ans parce que nous avons ici 9 vers pour la première strophe ainsi que pour la deuxième strophe. Donc le nombre irrégulier. Nous avons 9 ici et 9 dans la deuxième strophe. Puis on va voir le diconte syllabique, là où il y a la même rime. Le diconte syllabique, c'est le fait de mettre des césures pour séparer les émissions de voix les unes des autres. On va donc appeler la première rime Veille A. Et puis on va voir où est. Cette fin sonore dans les autres vers. On va la découvrir pour le vers numéro 3. Donc nous avons dans le premier et le troisième vers la même rime. Et tant que nous avons la même rime, il faut donc trouver le même nombre, le même nombre de syllabes. Le même nombre de syllabes. Donc je vais cacher les autres vers pour avoir sous l'œil. Uniquement le premier et le troisième vers. Alors, si je fais le diconte syllabique, je vais avoir Je, je Rassemble. Bien sûr, ici vous avez deux S, gémination de S. Je peux mettre la césure entre les deux et ça va me donner l'impression d'avoir un accent tonique. Le S va être prononcé avec la deuxième syllabe et ainsi il sera prononcé avec la troisième syllabe et on aura un rallongement ou un allongement sonore ou phonétique. Je Rassemble. Pour dire qu'on a quand même un accent tonique, en arabe c'est Shida. Alors je rassemblerai des lettres. Encore ici, le E normalement il est muet. Le E il est muet à chaque fois, il est à la fin d'un vers. À la fin d'un vers, le E n'est jamais prononcé. Et toute rime qui a un E, exemple de A ici, la rime A, on l'appelle une rime féminine. La rime féminine c'est quand on a la fin sonore du vers. Finit par, ce pas la fin sonore, mais le, le mot de la fin du verre euh, euh, se termine par un E, un un millet. Donc tous les E, tous les E qu'on a à la fin sont caduques, c'est-à-dire non prononcés, mais attention quand ils sont à l'intérieur du verre, ils peuvent être prononcés s'ils si sont suivis d'une consonne. Exemple ici de DES, une consonne, donc E va former. La syllabe avec tr de d'avant pour avoir l'être e. mais dans la prononciation, je vais faire comme ça dans la lecture. Je rassemblais des lettres de la veille, des lettres de la veille, donc le e va me donner la syllabe numéro 1 2 3 4 5 6 et 7 la septième syllabe. Puis je continue de la veille et si je compte, je vais avoir dix syllabes. Le maître du premier vers c'est un décasyllabe, un décasyllabe. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que les dicasyllabes et les octosyllabes et les alexandrins sont les maîtres les plus utilisés dans la poésie française. <coughs> si ce vers, je rassemblais des lettres écrit par Alfred de Musset, est un poème en vers régulier, il faut donc trouver dans le vers numéro 3 le même nombre de syllabes. Si on a trouvé moins ou plus, on va donc dire que ce poème est en vers libre et non pas en vers régulier. Alors on va voir. Tout ce. Passé, donc, c'est la même histoire tout à l'heure, le S j'iminais. Donc, je peux avoir la césure entre les deux, mais je peux aussi l'avoir avant. Mais si je mets la césure avant, je vais avoir la, la sonorité S prononcée une seule fois avec une seule syllabe, non pas avec deux syllabes. Ici, j ai, j ai, je choisis les accents toniques parce que ça donne de la musicalité hein, euh, euh, à la poésie en, en lecture. Tout se passait me criait encore me crier et c'est pour crier si je transcris phonétiquement je vais avoir le son consonantique r le son consonantique r je vais avoir un i d'accord puis je vais avoir un yod Oh pardon un yod c'est mieux ici crier talov at alors si nous avons une suite de deux sons vocaliques on l'appelle un hiatus ou bien on l'appelle Diphtong. Le diphtong, on peut le diviser en deux pour avoir deux émissions de voix, ça veut dire deux syllabes, ou bien je peux prononcer en une seule émission de voix pour avoir ce qu'on appelle la sinérase. Si je divise, je vais avoir la diérèse. Si je ne divise pas et je laisse la prononciation en une seule émission de voix, je vais avoir ce qu'on appelle la sinérase. Sinérase avec le diphtong prononcé en une seule émission et diérèse. Si je prononce en divisant les deux. Alors ici, je choisis de diviser parce que peut-être j'aurai besoin d'une syllabe de plus. Et on verra. Si je n'ai pas besoin de diviser, je vais faire la syllabe pour avoir 10 Ok Alors tout se passe et me crie, me crie, ye, me crie, ta encore t et a. Bien sûr, les liaisons sont toutes prononcées dans la poésie. Quel que soit la, là où on a une lison, il faut la mettre. Tout se passe et me crie ta lo Ray, et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous avons encore un dicasyllabe comme maître. <coughs> un dicasyllabe comme maître de, de du troisième verre. Maintenant, je passe à l'autre vers ici. Je change de couleur. J'ai amour et jour. Donc c'est une autre fin sonore. Je vais l'appeler la rime B. Donc je change de lettre, la rime B. Dans la rime B, puisque ce n'est plus A, je peux avoir 8 ou 9 ou 7, ça dépend. Donc il faut avoir un autre nombre. Ou bien on peut aussi avoir euh, 10. L'important c'est que si je trouve 10 dans le, le deuxième vers où il y a la rime B, il faut que dans le quatrième où il y a la même rime, il faut avoir le, le même nombre, c'est-à-dire le même mètre. Allez-y, je vais commencer donc. Mais avant de commencer, je vais encore cacher pour avoir sur l'œil uniquement. Le deuxième et le quatrième vers pour voir quel est le maître, le maître qu'on aura. Bon, j'ai des des cheveux, des des bris. On peut aussi avoir des bris ou bien des bris. D'amour et j'obtiens 8 Donc 8 c'est un octosyllabe ou bien octomètre. C'est un octosyllabe. Le mètre du deuxième vers euh, ayant la rime b est un octosyllabe. Et parce que c'est un octosyllabe, il faut donc avoir dans le quatrième vers ayant la même rime, le même nombre de syllabes. C'est-à-dire, euh, euh, le mètre doit être octosyllabe également. On verra. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les liaisons sont prononcées. C'est z ter nel mon d'un jour et j'obtiens encore huit. J'ai encore huit syllabes. Huit syllabes, ce sera encore octosyllabes. Quand vous voyez, il est clair apparemment que le poème, le poème Je rassemblais des lettres d'Alfred de Musset est un poème en vers régulé parce que nous avons euh, une régularité sur le nombre de, de, sur le, le plan des mètres, sur le plan également des, des rimes. Je continue avec le reste. Je change de couleur, je vais mettre le bleu. Euh, ici, vous avez sacré, dévoré, pleuré. Donc, je change de lettre. Je vais appeler la rime C. Et puis, dans la rime C, il faut donc encore avoir le même maître. Je vais compter avec la première. Je, quand, dans, c c'est li que. J'ai encore prononcé le E, d'accord, ici, comme formant une syllabe avec culon ou le son K parce que sacré commence par une consonne donc le e de relique n'est pas, pas, pas caduque c'est à dire n'est pas muet alors on va, on va avoir une syllabe de plus c'est celle ci puis sac ré et je vais obtenir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 c'est encore un, no, un dika syllabe dika syllabe il faut avoir donc 10 cas syllabes également dans le 7e le et le 8e vers Il faut donc avoir le même mètre. L'arme, là encore le E de l'arme qui sera prononcé parce qu'il est suivi de D, c'est une consonne. L'arme du cœur par le cœur des vos Ré. Et j'obtiens donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est un 10 cas syllabes. Je continue avec l'avant-dernier verbe et que les yeux. Donc j'ai commis une petite erreur ici. Il faut avoir le S prononcé en liaison le Z avec eux. Les yeux qui les a. V Et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est un 10 syllabes. Dernier de verre, dernier paire de verre ou dernière rime, je change encore de couleur, je vais mettre ici, vous avez la main et demain, j'obtiens la rime D. Je vais voir euh, qui est le maître de, du verre, du verre euh, numéro 6 et le dernier verre, qui me faisait trembler la main. Et j'obtiens 8 huit, huit syllabes. Donc c'est encore un octosyllabe. Octosyllabe et ça doit être répété ici également. C'est ça la récurrence, c'est ça la, la régularité. Alors je vais avoir ne re con ne plus de ma sera 8 D'ailleurs une autre chose par rapport aux syllabes en français, la syllabe est toujours formée soit d'une seule voyelle. Comme l'exemple ici de « crier à l'oreille », ok ?« Crier »,« ici, « ici dans la, le troisième vers, d'accord La rime « a », là où il y a la rime « a », le troisième vers. Si je transcris phonétiquement « crier », je vais avoir ça. « Crier ». Mais j'ai bien sûr avec « t » la suite. J'ai euh, la première syllabe, c'est celle-ci. Et puis la deuxième syllabe, c'est uniquement « e ». Okay, le son est. Mais à l'origine, graphiquement, c'est écrit avec AI. Mais par rapport au son, il n'y a qu'un qu seul son. Donc la syllabe peut être formée par une seule voyelle. Sinon, par une consonne voyelle. Une consonne voyelle. Sinon, par une voyelle consonne. Ou bien une consonne voyelle consonne. Mais attention, ça n'est jamais, la syllabe n'est jamais formée d'une seule consonne. Jamais. Ni d'une consonne à la puissance de je ne sais pas combien. Même si nous avons par exemple deux consonnes ou trois consonnes qui se suivent, ce n'est jamais une syllabe. Il faut donc obligatoirement avoir à chaque fois une voyelle. Il faut avoir à chaque fois une voyelle dans la syllabe, sinon elle n'est pas, pas, pas appelée syllabe. Bon, je continue. Alors ici, je vais effacer tout ça. Et je récapitule avec. La préparation déjà faite, la voici. Donc voici les rimes et également le dicant syllabique ou bien les césures là où je les ai placées. Donc j'ai mis des couleurs euh, différentes pour euh, séparer les, les émissions de voix. Donc je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout ce passé me criait à l'oreille ces éternels sermons des jours. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main. Larmes du cœur euh, par le cœur divoré, que les yeux qu'ils avaient pleuré ne reconnaîtront plus demain. Alors, maintenant, pour la transcription phonétique et le reste de l'analyse, la voici. Pour la rime A, doublement, celle-ci et celle-là, nous avons le même mètre C10, ce sont des dix cas syllabes. Sur le plan de la transcription phonétique, la veille. A l'origine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, mais sur le plan phonétique, la sonorité, il n'y a que 5 sons. La veille, sans consonantique L, sans vocalique A, sans consonantique V, le E ouvert, puis le yod. Le yod, on l'appelle une semi-consonne ou bien une semi-voyelle. De toute manière, il y a 5. Pourquoi j'ai besoin de transcrire phonétiquement comme, comme ça le mot Parce que par la suite, je dois voir euh, quelle est la richesse de, de la rime A. La richesse veut dire combien de sons se répètent dans chaque rime. Alors, pour la veille, c'est comme ça. Pour l'oreille, c'est transcrit phonétiquement de cette manière. <laughs> pour la rime B, il y a d'amour. Alors, D, A, le son. M, le son consonantique. Le U dans la graphie. Mais en phonétique, c'est le O. D'accord Là, c'est le symbole du O. Ça. OK L'amour. Où on trouve ces transcriptions phonétiques, par exemple en anglais, parce que les mots s'écrivent d'une manière, mais ils se prononcent d'une autre manière. Pour vous aider à mieux prononcer, dans les dictionnaires, on vous met entre deux crochets la transcription phonétique du mot pour vous aider à, à bien le prononcer. Alors, vous avez ici pour d'amour, des débris d'amour, c'est comme ça qu'on va le transcrire. La même chose pour d'un jour. D'un jour, vous avez un D, euh, consonne un e nasal puis un je d'accord là c'est z dans la graphie mais en transcription, en transcription phonétique il s'agit de d'un je ça veut dire du son je un phonème ou, euh, un je puis le ou d'accord puis le r mais le reste n'est pas n'est pas n'est pas prononcé c'est écrit mais n'est pas prononcé je passe à c dans c il y a trois récurrences vous avez sacré sacré et ici, vous avez un E qui est fermé parce que la syllabe est ouverte. Euh, pour les voyelles ouvertes ou fermées, on a ouverte » quand la syllabe est fermée, ça veut dire qu'il ne se termine pas une consonne. Et nous avons une voyelle ouverte quand la syllabe est fermée, ça veut dire. Euh, euh, pardon, euh, on, a, on a la voyelle elle est fermée quand la syllabe est ouverte. Et nous avons la voyelle elle est ouverte quand la syllabe est fermée. La syllabe fermée, ça veut dire qu'elle se termine par une consonne. Et la syllabe ouverte, ça veut dire qu'elle se termine par une voyelle. Je vais vous donner un exemple ici. Euh, okay. Il n'y a aucune qui se termine par une voyelle qui est ouverte. Okay. On n'a pas. Exemple ici, vous avez le E. Le E qui est fermé et qui est ouvert. Pourquoi Parce qu'il se termine par la semi-consonne iod. La même chose encore ici. Voilà, on l'a pas dans un, autre, dans un autre endroit. Je continue donc avec C. C'est comme ça pour dévorer, pleurer. Et pour la suite, vous avez deux mains et la main. L consonantique, A vocalique, M consonantique et E nasal. Euh, 1. OK Bon, pour les rimes, les rimes, les dispositions. Les dispositions qu'on a pour la rime A et B. A et B, nous avons A, B, a, B, la voici, on les appelle des rimes croisées. Rimes croisées. On dit aussi des rimes alternées. Et pour D, C, D, D, C, C, D, nous avons des rimes qui sont, qui sont euh, des rimes embrassées. Okay? Pour les richesses, les richesses, la rime A, je vais voir combien de sons se répètent dans la rime A. Vous avez le iode ici et là. Vous avez le E ouvert. Doublement, mais pour le reste, il y a V et R, donc c'est différent. On va donc avoir la rime A, elle est suffisante parce qu'il y a deux sons qui se répètent. La rime B, la rime B, il y a le R, la fin, le son R, le son OU, mais pour le reste, il y a le son consonantique M et le jeu, donc c'est différent. On a encore deux. Donc la rime B, elle est suffisante. Pourquoi elle est suffisante Parce que nous avons également deux sons qui se répètent. Pour la rime C, nous avons sacré et dévoré avec pleuré. Donc le son est à chaque fois répété. Le son R, à chaque fois il est répété. Pardon, j'ai effacé un E ici, d'accord euh, Pleuré. Donc nous avons deux sons encore. Pour le reste, c'est différent. Donc C est une rime qui est suffisante. Pourquoi Parce qu'on a deux sons. Qui se répète. Pour la rime D, nous avons A, E nasal, E nasal, puis M, M. Mais le reste est différent. On a encore, c'est une rime qui est suffisante. Donc, vous voyez, la régularité elle est presque parfaite dans ce poème d'Alfred de Musset. Maintenant, vous avez euh, les rimes internes. On a donc des rimes externes comme ici, à la fin de chaque vers. De chaque deux vers, pardon, parce que pour la, parler de la rime, il faut avoir au moins une paire, c'est-à-dire deux vers qui se terminent par la même fin sonore. Et pour les rimes internes, c'est-à-dire c'est à, à l'intérieur même, à l'intérieur même de la strophe, on peut chercher quels sont les sons qui se répètent, qui donnent une, so une certaine musicalité. Alors je vais encore effacer tout ça pour chercher ce que j'ai appelé ici des rimes, in des rimes internes. Les rimes internes sont soit des allitérations, quand il s'agit d'une redondance sonore d'une consonne, d'un son consonantique. Et si j'ai pris le son R, on va voir combien de fois le son R est répété dans la première strophe. Et nous avons aussi les assonances. Et c'est quoi une assonance C'est une redondance vocalique. D'accord pas l'écriture, hein, mais les, ce sont les sons. Donc je vais chercher le R et l'allitération la, par R et l'assonance par. Euh, euh, par E euh, par On commence par l'allitération par l, R. Pardon. Alors, vous avez, je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout ce passait, me criait à l'oreille, ces éternels sermons d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main. Larmes du cœur par le cœur d'Yvorais, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. Alors, si je vais, je vais compter, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, nous avons 20 fois, 20 fois l'allitération par R. Donc, ça donne ce qu'on appelle la musicalité interne ou bien la rime interne. En allitération avec R. Mais on peut aussi chercher d'autres allitérations. Puis je passe à la rime interne en assonance produite par E. Donc je vais compter. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passait. Me criait à l'oreille ces éternels sermons, sermons d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main. L'arme du cœur par le cœur dévorait et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. Et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 fois le son ou l'assonance en E. D'accord Alors là, c'est clair qu'il y a une musicalité dans le choix d'hymne en fait par le poète Alfred de Musset hein, pour avoir des rimes externes et également pour avoir des rimes internes et également encore pour avoir les mètres qui sont récurrents à chaque fois nous avons la même rime et comme vous voyez c'est l'une des formes les plus difficiles en littérature c'est la poésie c'est très difficile d'écrire en poésie surtout en vers réguliers parce que vous êtes sur le plan de la forme obligé de trouver des récurrences sur le plan des rimes sur le plan des rimes internes et externes sur le plan des mètres euh, les dispositions aussi, il faut que les rimes soient disposées de manière très, euh, très organisée, plus le, le, le sens que vous voulez donner à, à votre poème euh, sans, sans perdre ce sens. Est-ce que vous êtes capable de trouver des mots qui vont vous donner en même temps la forme récurrente et le fond sur le plan des idées, des thèmes, etc. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris le, le verre intermédiaire, le cinquième, comme euh, un verre neutre, parce que pour parler des rimes et de leur disposition, il faut donc qu'il soit au moins deux fois répété. Ça signifie que ça fonctionne en euh, mode de 4 même s'il y a encore d'autres types de dispositions, mais bon. Euh, ça, on l'a appliqué à la première strophe. Vous pouvez appliquer les mêmes techniques de tout à l'heure à la deuxième strophe chez vous. À la maison, et vous avez trouvé que Alfred de Musset a très bien fait euh, ce poème. Euh, il a très bien construit ce poème en vers réguliers tiré de, du recueil Les Nuits, euh, etc. Maintenant, je vais passer au sens. Essayez donc de voir l'interprétation qu'on va essayer, comme minimum, de donner à, à, à ce poème, ou plutôt de déchiffrer ce que Alfred de Musset voulait faire passer. Je relis. Je rassemblais des lettres. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour, tout ce passé me criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, l'arme du cœur par le cœur dévorait, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure, des ruines, des, ces ruines, des jours heureux. Je me disais qu'ici bas, ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me disais dedans. Je me perdais dans tant d'oubli. De tous côtés, j'y retournais la sonde et je pleurais seul, loin des yeux du monde. Mon pauvre amour enseveli. Prenons la première strophe. Dès la première strophe, vous avez le mot ⁇ Je rassemblais ⁇ des lettres de la veille. Quand on dit la veille, ça signifie qu'il y a d'abord un, un jour très particulier au passé pour parler d'un jour avant. Ça veut dire hier au passé. Alors, où est ce jour particulier On va le découvrir dans le vers numéro 4. Alors, il rassemblait, un, les lettres, de les cheveux, c'est une mèche de cheveux, et les débris d'amour, tout ce qui restait de son histoire d'amour. Le, les cheveux, ou la mèche de cheveux, ça symbolise la fidélité. Alors, j'ai fait une petite recherche pour la symbolique de la mèche de cheveux sur Google, ça m'a donné ça. C'est un cadeau de pureté. La symbolique de la mèche de cheveux dans la culture occidentale, c'est pas la, la culture arabo-musulmane par exemple, c'est un cadeau de pureté, quelque chose qui capture l'ADN de la personne aimée. La personne qu'on aime, on lui demande une mèche de cheveux euh, comme symbole de fidélité. Et quand tout est détruit, on sait que quand l'être humain meurt, tout se décompose. Euh, et puis, ce qui reste, le, la dernière chose qui reste du corps humain, ou du, de, de l'organisme humain, ce sont les cheveux. Alors, il reste cette mèche de cheveux qui rappelle l'amour à son sommet, c'est-à-dire à son paroxysme, quand on croit vraiment que c'est pour la vie. Alors, c'est pour cela, dans la culture occidentale, peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça reste encore actuel, mais bon, euh, à l'époque du poète, on demande à la bien-aimée une mèche de cheveux comme signe de fidélité. Alors, tout se passé me criait à l'oreille, tout se passait me criait à l'oreille, ces éternels sermons d'un jour. Donc, ils se sont donné des sermons, des promesses, un jour, un jour très particulier. Donc, ils se sont mis d'accord sur peut-être un projet d'amour, un projet de famille, <coughs> etc. Donc, ces éternels pour dire que et ils se sont donnés des, des sermons et, et qu'il allait euh, chacun tenir. À sa parole et, et puis de rester ami ou amoureux jusqu'à la fin du jours sauf que malheureusement pour le poète, la personne peut être allée mourir, on va découvrir ça dans la, la, la suite. Ce qui montre l'amour du poète, l'amour intense du poète, c'est le terme contempler. Contempler, c'est regarder avec beaucoup de charme, avec attention et puis avec émotion. J'ai contemplé ces reliques sacrées, c'est-à-dire ces choses qui sont très sacrées pour lui, les cheveux, les débris d'amour. Elle les lettres qu'elle a eu d'elle. Je contemple ici reliques Sacré. Euh, L'amour est aussi connoté par le fait qu'il a ses mains qui tremblent, qui me faisaient trembler la main par émotion. L'arme du cœur, donc euh, du cœur par le cœur dévoré. Nous avons ici euh, presque un chiasme avec cœur répété et concaté de cette manière larme du cœur par le cœur dévoré et que les yeux qu'ils avaient pleurés les yeux qu'ils avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain donc il parlait peut-être de sa bien aimée qui avait pleuré le, le jour où ils se sont donné les les serments de rester fidèles l'un à l'autre puis à chaque fois il fait ressortir ces objets sacrés ces reliques sacrées Qu'est-ce qui est -ce qu fait À la fin, il enveloppé dans un morceau de bure. Bure, c'est laine. C'est là où on peut mettre des choses précieuses ou des choses, où on veut les garder de manière précieuse. C'est ruines des jours heureux. Généralement, la bure, c'est un euh, euh, tissu mais pff, qui contient de la, de la, de la laine. C'est ruines des jours heureux. Donc, il y avait des jours heureux qu'il avait vécu avec sa bien-aimée et à, à partir de sa perte, elle est devenue triste. Et puis, ce qui montre que son projet est voué à l'échec ou plutôt il a le regret d'avoir ce qu'il a construit ou ce qu'il voulait construire avec sa bien-aimée il est détruit c'est le terme c'est ruine hein, c'est ruine du jours heureux ça signifie qu'actuellement il est malheureux je me disais qu'ici bas c'est dire la vie sur terre qu'ici bas ce qui dure ce qui dure le plus longtemps possible ce sont les mèches, c'est une mèche de cheveux. Donc, il a gardé la mèche de cheveux de sa bien-aimée. Comme un plongeur, ici, c'est une figure de style de comparaison. Donc, il se compare à un plongeur. Et quand on dit plongeur, euh, ça, ça, son milieu d'action, c'est la mer profonde. Et puis, il utilise la sonde. La sonde, c'est... Si vous voulez, un, un projecteur qui vous permet de sonder les profondeurs, c'est-à-dire de découvrir les, les profondeurs. Comme un plongeur dans une mer profonde, et nous avons l'impression que la mer profonde ici, c'est la mémoire. Ce sont les souvenirs qu'il avait gardés de sa bien-aimée. Je me perdais dans le temps d'oubli. Et l'oubli, c'est l'ennemi numéro un du poète. Pourquoi Parce que il, chasse toujours les, il, chasse, il chasse toujours les souvenirs et puis euh, il, sent, et, 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 il risque de les perdre. De tous côtés, j'ai retourné la sonde et je pleurais seul, loin des yeux du monde. Ça montre donc la solitude, le thème de la solitude du poète. Euh, loin des yeux du monde, qu'est-ce qu'il pleure et Il pleure son pauvre amour en sevillis. Se en ça veut dire c'est enterré. Voilà donc euh, l'explication surtout de, du vocabulaire, mais bon, vous pouvez faire des interprétations qui sont différentes pour le poème, vous pouvez m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires et merci beaucoup.